Bonjour, je suis Jessica Holk, psychologue et psychothérapeute, et j'anime aussi des groupes d'analyse de pratique ou des groupes de parole dans le champ médico-social. Voilà, aujourd'hui, je crois qu'en fait le message que j'avais envie de passer se résume en une phrase qui est: il est absolument indispensable d'aider les aidants. Alors ça peut paraître une évidence, et pourtant ça coule pas de source, hein. L'expérience m'a montré que c'était évident ni pour les aidants, ni pour l'entourage, pour les aidants qui ont plus l'habitude de porter, de soutenir, d'accompagner que de demander de l'aide ou de demander du soutien. Et pour l'entourage, qu'il soit familial, social ou institutionnel, qui a tendance à se satisfaire en fait de la place dans laquelle est l'aidant, à savoir, il aide, ça nous va très bien. Alors que je pense que pour aider, il est indispensable d'être soutenu. C'est une des conditions fondamentales de tous les métiers de la relation d'aide. Et en particulier pour des aidants qui sont chez eux avec des proches. Échanger avec d'autres et vous rendre compte, je pense en particulier, il y a des moments où il y a des sentiments de culpabilité, quand il y a des décisions difficiles à prendre, et se rendre compte tout simplement que, bah tiens, je ne suis pas tout seul à ressentir ça, à être inquiet de cette situation, à me sentir en souffrance avec telle autre situation. Comment? Bah, d'abord en partageant, en échangeant avec d'autres. Donc pour vous, là, pour les aidants, c'est en partageant avec d'autres aidants, en essayant de trouver des espaces de parole, de dialogue. Ça vous permettra de dire vos difficultés, d'exprimer vos ressentis, d'exprimer vos inquiétudes, de trouver des espaces comme ça où en confiance vous pouvez vous confier et partager. Ça permet aussi de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul à ressentir les difficultés, qu'il y a des situations qui vous paraissent absolument insurmontables, sauf que le fait simplement de ne pas être seul est très souvent libérateur. Voilà ce qui me semble absolument fondamental dans cette idée de se retrouver avec d'autres. Ça permet en général de... C'est pas seulement libérer une parole en fait. Ça vous permet de retrouver une énergie, de retrouver de la force, de retrouver la détermination et de retrouver aussi tout simplement la joie d'aider vos proches.